Rider Foundation, donc, a été créée à la base en 1990. Donc elle a pour but en fait de la protection et sensibiliser les gens aux déchets marins que l'on peut trouver sur nos littoraux. Donc ça peut passer par les lacs, par les rivières. Donc elle a pour but vraiment de toucher un maximum de monde et de montrer aux gens que l'on peut faire des actions par nous-mêmes vraiment tous les jours. Et ça peut être donc passé par le biais de ce qu'on appelle les initiatives océanes. Donc on a vraiment pour but aujourd'hui de leur parler de l'impact des déchets marins donc sur l'homme, sur les animaux, sur leur environnement. Je suis très fière aussi qu'il y ait cette école-ci, qui est l'école Blaise Pascal de Perpignan, parce que justement il y a un travail en amont qui est fait par les professeurs. Ils savent qu'il faut trier, qu'on peut les recycler pour en faire des cadres de vélo, pour en faire des pulls, selon les matériaux utilisés. Qui veut organiser avec un groupe d'individus les initiatives océanes peut, en contactant le site, vous avez directement les organisateurs qui peuvent vous envoyer un kit.